Hello! Hello mes petits gémeaux, je vous fais une vidéo rien que pour vous parce que j'ai oublié de faire votre partie dans l'astro-guidance. Donc pour les gémeaux solaires, ascendant gémeaux et gémeaux lunaires, cette vidéo est pour vous. On y va, c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se trame pour vous. Regardez dans la lumière, nous sommes dans la lumière aujourd'hui. Pour le mois de septembre, on a où? Le rat et la mort. Rassurez-vous, il ne s'agit pas forcément d'une maladie mortelle. Peut-être que vous allez libérer des choses. On va voir. On va voir de quoi il retourne. Alors, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ok. Il va falloir libérer. Libérer, délivrer. Et se reposer, parce que c'est un cadeau de la vie de pouvoir libérer des vieilles énergies. Ok, d'accord? Donc vous libérez des vieux schémas, des anciennes énergies, et après ça, vous vous reposez parce qu'il va falloir que vous intégrez, griller quand même. Vous pouvez le faire par vous-même, vous pouvez aussi être accompagné. Je peux vous accompagner pour une guidance personnalisée, pour libérer des mémoires. C'est mon job, je suis là pour libérer, délivrer. C'est mon job, donc voili voilou. Si vous avez besoin, vous me contactez. Alors, de fait, on va couvrir. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Le dos de deck, c'est le saut. Vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas, il y a du changement dans l'air pour ouvrir une nouvelle porte. Voilà, c'est plutôt clair, hein? C'est plutôt clair comme de l'eau de ruche. On va demander à mon oracle, qu'est-ce qu'il a mon oracle pour vous, mes petits chats de Gémeaux? La montagne et l'eau, la montagne et l'eau, dans la lumière de mon magnifique oracle qui va bientôt être dans vos mains. Oui. Alors, la montagne et l'eau, oh, voilà. Donc la montagne et l'eau, c'est une carte qui nous invite à équilibrer nos émotions et notre ancrage. Donc, travaillez sur votre ancrage pour équilibrer vos émotions. C'est une des astuces pour vous. Et avec l'oracle de Gaïa, on a l'océan d'amour éternel, guérison, libérer, délivrer, créativité et fertilité. Voilà. Donc, vous savez quoi faire, mes petits gémeaux. Et l'arcane majeur qui vous représente, pliplapliplaploup. C'est le fou, nouvelle aventure. Voilà mes petits gémeaux, je vous remercie de votre tolérance face à ce petit erratum, ce petit oubli. Et du coup, vous avez une vidéo rien que pour vous. Voilà, ben je vous fais des bisous les gémeaux, ascendant gémeaux, signe lunaire gémeaux, et je vous souhaite une très très belle rentrée, un très beau mois de septembre, et je vous dis à tout bientôt. Salut, salut! Ciao!